Gloire à Dieu. Nous reprenons. Nous voulons vérifier que tout le monde nous perçoit, nous reçoit bien. Et nous allons reprendre ce direct. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus, nous sommes dans une série d'enseignements autour du thème La victoire de la Pâque pour les temps de crise. La victoire de Jésus pour les temps de crise. C'est une autre façon de formuler ce thème. Nous allons vous prier de partager la vidéo pour que nos connaissances puissent aussi entendre le message de la parole de Dieu. Nous nous retrouverons du lundi au samedi pendant deux moments dans la journée. D'abord à 7h du matin pour un temps de méditation, de prière, de lecture de la parole de Dieu. C'est un moment qui est participatif. Et le temps de 21h est un temps d'exhortation. Pour ceux qui nous suivent depuis ce matin à 7h, nous nous sommes réveillés avec Dieu dans sa présence. Nous avons échangé des sujets, nous avons prié les uns pour les autres, nous avons prié pour cette nation et nous avons médité ensemble ce texte. Et c'est ce même texte que nous voulons voir, analyser, revoir et laisser la parole de Dieu nous bénir et nous édifier. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes heureux de vous retrouver et nous comptons sur la grâce de Dieu pour y arriver. Que Dieu nous bénisse et que sa parole soit une source de bénédiction pour chacun de nous. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous n'avons pas voulu que cette fête de Pâques se passe dans le confinement un dimanche. Nous avons voulu qu'il y ait des temps
des temps où nous venons à la parole de Dieu, des temps où nous sommes instruits par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons voulu ces temps. Donc ce sera du lundi au samedi, des temps devant Dieu, avec des textes bibliques, en rapport avec la vie de Jésus, avec les défis de Jésus, pour ces dernières heures de son ministère. À 7h, à 21h, à 7h, à 21h, pour que par la grâce de Dieu, nous soyons dans cette immersion, dans la parole, et que même si le dimanche, c'est pour se retrouver en confinement, mais que Dieu nous ait bénis au travers de sa parole tout le long de cette semaine. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu ce temps. Et nous prions que Dieu bénisse chacun de vous, que sa parole se révèle à vos cœurs, que vous soyez changés, transformés, visités par son esprit, et que ces temps de crise que nous traversons soient des temps que nous traversons dans la victoire. Parce que Christ a eu la victoire sur sa crise à lui, qui était une crise mondiale, même si elle était limitée à la personne de Jésus. Le problème du péché est un problème plus grave qu'un quelconque problème que l'humanité peut avoir. Et c'est pourquoi je dis que la crise par laquelle Jésus est passé est la plus grande. Une crise sur le péché, une crise qui engage la destinée éternelle de toute l'humanité. Que Dieu nous bénisse par sa parole et que par ce temps d'exhortation, nos cœurs reviennent dans sa présence, nos cœurs se ressaisissent et que nous puissions avoir en nous une force intérieure, celle qui était en Jésus. Parce qu'en méditant sa parole, il communique sa parole à nos cœurs et le Saint-Esprit met ce qui était en Jésus, met cela en nous. Et c'est comme ça que nous marchons, que nous sommes victorieux avec la parole de Dieu. Dieu nous bénisse. Nous allons reprendre avec la parole de Dieu. Je vais resituer le contexte de cette étude. C'est un temps de crise que nous vivons et un temps pendant lequel nous assistons à beaucoup, beaucoup de troubles, beaucoup de craintes, beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisse. Les nuits sont agitées, tourmentées pour certains. Des crises, même au niveau physique. Ce sont des temps durs et difficiles. Et même pour des chrétiens, c'est difficile. Ça ne devrait pas être autant difficile parce que nous ne sommes pas comme le monde. Nous ne sommes pas sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Nous avons connu et rencontré celui qui a effacé nos péchés, qui nous a fait entrer en communion avec Dieu. Donc ces temps devraient être moins rigoureux sur nous les chrétiens. Mais nous sommes des hommes comme les autres. Et il peut arriver que nous soyons affectés au point de ne plus prier, au point de ne plus espérer en Dieu, au point de ne plus lire la Bible. Et nous avons besoin d'être fortifiés. Et c'est Jésus qui est capable de nous fortifier. Il peut nous fortifier de plusieurs façons. Et il y a une façon que nous voulons utiliser aujourd'hui. C'est l'étude de sa vie. Voir les défis auxquels il a fait face. Comment il a fait face à ces défis. Et suivre son exemple. Marcher dans ses traces. C'est de cette façon que les choses qui sont en Jésus vont être en nous. Donc,
L'approche de la fête de Pâques, c'est une occasion merveilleuse que nous avons de revenir à ce grand récit, à cette grande histoire de la croix, de la résurrection, des souffrances de Jésus. C'est une grande histoire, c'est un grand récit à cause de ce que cela produit sur l'humanité aujourd'hui. Des hommes sont sauvés, des hommes sont guéris. La condamnation éternelle est du passé pour certains. La vie éternelle est l'actualité. C'est une grande histoire. Et à chaque fois que nous avons affaire à cette histoire de la croix, des souffrances, de la résurrection de Jésus, nous devons marcher comme si nous marchions dans une terre sainte, en prenant garde, en ne minimisant pas, en ne méprisant pas les détails, en allant plus loin dans notre méditation pour laisser Dieu parler à nos cœurs. Comme je l'ai dit, Jésus a vécu une crise. Et Jésus a manifesté une force intérieure, une grande force intérieure pendant cette crise. Et cette force, c'est cette force qui l'a conduit à avoir la victoire. Nous verrons donc ce thème en 7 parties. 6 parties du lundi au vendredi à 21h en temps d'exhortation, à 7h en temps de méditation, et puis la 7e partie pendant le culte spécial de la Pâque. Culte en confinement, mais avec la préparation que nous aurons faite pendant la semaine, ce sera un culte glorieux. Parce que c'est la révélation de Jésus à nos cœurs qui fait que nos cultes sont glorieux. Et si Jésus s'est révélé à nos cœurs toute la semaine, le dimanche, notre culte sera glorieux. Alléluia. Donc, nous parlons aujourd'hui du complot contre Jésus. Du complot contre Jésus. Et notre texte de base est Marc chapitre 14, versets 1 et 2. Si vous avez trouvé le texte, vous devez certainement l'avoir si vous nous suivez depuis le début. Je refais la lecture. La fête de Pâques et des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Voilà donc les choses qui ont été prévues par ces hommes qui complotaient contre la vie de Jésus. Et nous voulons développer les points suivants. Parler du contexte en introduction. Parler du complot. Et parler des comploteurs. Ce n'est pas pour mettre l'accent sur ces choses, mais comme vous le verrez tout le long, c'est l'attitude de Jésus qui importe face au complot. L'attitude de Jésus face aux comploteurs. Et vous allez voir, vous allez découvrir quelque chose de merveilleux, de glorieux qu'il y a en Jésus. Et qu'il est capable de nous communiquer, qu'il est capable de te communiquer. Et nous prions que Dieu bénisse sa parole. D'abord le contexte. Le contexte, c'est la fête de Pâques et la fête des pains sans levain. C'est 2 fêtes successives. La fête de Pâques est célébrée
le 14e jour du mois de Nissan, qui est le mois d'avril, qui correspond au mois d'avril pour les Juifs, et que Dieu leur a demandé de considérer comme le premier mois. C'est pourquoi dans Lévitique 23, verset 5, il est dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le verset 6 de Lévitique 23 ajoute, « Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. » Voilà donc le contexte. C'est une célébration festive, commémorative de la délivrance de l'Éternel accordée à Israël. Israël devait entrer dans un exode hors d'Égypte. Et Jésus aussi, il est censé entraîner son peuple dans un exode loin, hors du péché. Et donc, cette délivrance que Jésus doit opérer est forcément liée à la Pâque. Donc, voilà le contexte. Le jour de Pâques, 7 jours de pain sans levain, 8 jours de célébration qui s'annoncent, et on est à 2 jours avant. Et les sacrificateurs et les scribes réfléchissent, se réunissent de façon formelle. Les projets qu'ils nourrissaient, qu'ils caressaient depuis longtemps, ils veulent mettre ce projet à exécution. Et ils se réunissent pour comploter contre Jésus. Un complot composé de 3 parties essentiellement. La première partie qui est l'arrestation de Jésus. Et la ruse doit être utilisée. Arrestation par ruse de Jésus. La mise à mort de Jésus et la nécessité de faire toutes ces choses en dehors de la célébration festive. En dehors des 8 jours. Alors la question qu'on peut se poser, c'est avant ou c'est après? Notez bien qu'on est 2 jours avant, pendant qu'ils tiennent leur réunion. Et notez aussi qu'ils ont échoué en voulant piéger, tendre des pièges théologiques à Jésus. Ils ont échoué. Donc, ils sont réunis, ils n'ont rien pour exécuter leur plan. Et ils n'ont que 2 jours. Ils ne peuvent pas envisager mettre Jésus à mort avant la Pâque. Certainement après. Au moment où tous ceux qui sont venus, parce que la Pâque était célébrée par tout Israël, tout homme devait, quel que soit son lieu d'exil, revenir à Jérusalem pour obligatoirement assister à cette célébration festive. Il y avait donc du monde à Jérusalem. Et 2 jours avant, certainement que les voyageurs commençaient à arriver. Et donc la foule, le peuple qu'ils craignaient, était déjà là. Donc ils n'envisageaient pas la mort, l'arrestation de Jésus avant la Pâque, mais après la Pâque. Et c'était ça leur complot. Jésus était très, très, très populaire. Jésus était l'homme du peuple, l'homme du bas peuple, parce que Jésus était proche des affligés. Jésus guérissait, Jésus nourrissait les foules. Jésus avait une cote de popularité très élevée. Alors ils redoutaient, puisqu'ils étaient amis avec les Romains, qu'il y ait une émeute, quelque chose qui créerait des problèmes dans leur collaboration avec les Romains. Donc ils cherchaient à user de ruses pour arrêter Jésus. Mais Jésus travaillait. Et c'est ça qu'il faut retenir.
La crise, il était déjà dans la crise parce que les réunions se faisaient. Mais Jésus travaillait. Il travaillait à quoi? À l'œuvre de Dieu. Jésus n'avait pas le temps de paniquer. Il n'avait pas le temps de se laisser troubler. D'ailleurs, ça n'honorait pas Dieu. Jésus travaillait. Son ministère, vers la fin de son ministère est devenu plus restreint. Un ministère envers les disciples et précisément envers les apôtres. L'heure était grave, mais Jésus travaillait. Travaillait. Il travaillait pour qui? Pour les apôtres, les disciples. Et les apôtres qu'il faut considérer dans ce contexte comme des personnes faibles par rapport à ce qui s'annonce. Des personnes faibles. Faibles parce qu'elles n'étaient pas encore solidement ancrées dans la foi. La Pentecôte va tout déclencher. Ces hommes deviendront des hommes forts avec la puissance de l'Esprit en eux. Mais à ce moment-là, ils n'étaient pas encore des hommes forts. Ils étaient faibles et fragiles. Et Jésus, malgré la crise, prenait soin de ces personnes faibles et fragiles. Et c'est la première leçon que nous devons retenir pour être victorieux dans ces temps de crise. Au lieu de se morfondre sur soi-même, au lieu de tout ramener à soi, faisons comme Jésus a fait et regardons autour de nous ceux qui sont les plus faibles et apportons comme Jésus la parole. Les disciples étaient faibles, Jésus les a réconfortés avec la parole de Dieu. Et c'est celle-là que nous devons utiliser. Nous avons des personnes faibles dans nos maisons. Et les enfants en premier sont des personnes faibles. Quand c'est temps de crise, père que tu es, mère que tu es, tu trouves plus de temps à passer avec tes enfants. Si c'est le travail qui t'a empêché d'être avec tes enfants, si ce sont les occupations, ce temps est particulier. Tu as plus de temps, alors occupe-toi de ces enfants. Qu'ils te voient à la maison vivre la foi, vivre tes convictions de chrétien. Qu'ils découvrent un père ou une mère qui craint Dieu. Occupe-toi de ceux qui sont faibles. Ton époux peut être plus faible que toi. Ton épouse peut être plus faible que toi, dans le sens où dans la foi, tu es plus mûr, tu as plus d'expérience dans la foi. Alors tu as un ministère à exercer envers ton épouse ou envers ton époux. Ce sont des temps de crise, ce sont des temps difficiles. Chacun traverse ses angoisses personnelles, mais la parole de Dieu nous donne des certitudes et nous devons prendre soin de ceux qui sont les plus faibles, nous occuper d'eux. Et c'est Matthieu 26, versets 1 à 5, qui le met bien en évidence. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, je lis le texte, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunit dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Jésus dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré. Quand il leur dit, vous savez, ça veut dire qu'il leur a déjà dit, il les a déjà avertis. Mais il réitère la même chose. Et nous ne devons pas nous lasser de répéter un message qui est bon pour nos amis, qui est bon pour ceux qui nous sont chers, qui est bon pour notre famille. Le message de la parole de Dieu.
nous ne devons pas nous lasser de le répéter. Pourquoi Jésus préparait ses apôtres? Parce que ses apôtres avaient d'autres idées en tête. Ils avaient d'autres pensées. Leur pensée, c'était régner. Régner. Ils ont reconnu en Jésus le Messie. Le Messie est appelé à régner. Donc, ils sont appelés à régner. Le Messie va entrer à Jérusalem. Et pour eux, le Messie va être établi comme roi. Et le Messie va régner. Donc, ils vont régner. Dans leur cœur, il n'y avait que ça. La gloire, le règne, l'élévation. Mais ce n'était pas le temps d'être élevé. C'était le temps de passer par une épreuve grave. Et Jésus a été auprès d'eux pour les réconforter. Je veux parler des comploteurs et mettre l'accent sur ces comploteurs et parler aussi du contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, les comploteurs cités dans Marc 14, c'est les sacrificateurs, les scribes. Mais ils sont plus nombreux que ça. Ils sont plus nombreux. Il n'y a pas que des juifs. Il y a des romains qui vont s'associer. Il n'y a pas que des hommes. Il y a des anges déchus qui vont s'associer. C'est un grand complot contre Jésus. Mais pour le moment, on ne voit que ces deux catégories de personnes, sacrificateurs et scribes. Qui sont-ils? C'était ceux qui étaient chargés d'enseigner la parole. Ceux qui étaient chargés d'interpréter la parole, d'expliquer la parole, pour que le peuple de Dieu obéisse à Dieu. C'était ça leur mission. Et c'est au milieu de ces personnes, au milieu de cette catégorie de personnes qui se trouvent des leaders parmi eux, qui désirent la mort de Jésus. Je ne dis pas l'intimidation de Jésus. Je ne dis pas l'enfermement de Jésus. Je dis la mort de Jésus. Des hommes qui ont enseigné le commandement de Dieu, tu ne tueras point. Ce sont ces hommes qui préméditent l'assassinat de Jésus. Quel leadership, quel leader, des leaders religieux. Et c'est à l'image de notre société d'aujourd'hui, de notre monde d'aujourd'hui, qui est gagné aussi par cette forme de déchéance spirituelle. Et cette crise que nous connaissons, elle n'est pas que sanitaire. Dans certains pays, dans le nôtre particulièrement, elle est aussi spirituelle. Parce que le nom de Dieu n'est pas suffisamment honoré. Le nom de Dieu n'est pas suffisamment respecté. Dans les lieux où son nom est censé être respecté, c'est plutôt dans ces lieux que les hommes se font voir, que les hommes se mettent en avant, alors que c'est l'Église de Jésus, c'est Jésus qui doit être en avant. Donc voilà des leaders religieux qu'on pourrait qualifier de mafieux. Leaders religieux mafieux. Tu es contre mes intérêts, je vais attenter à ta vie. Voilà. Voilà. Le raisonnement de ces sacrificateurs et de ces scribes. Jésus, tu attaques mes intérêts, ça va te coûter ta vie. Des leaders religieux qui s'expriment ainsi. Et je prie, je ne suis pas là pour juger, je prie
que l'Église de Jésus se réveille. Se réveille. Que ces temps de crise soient aussi des temps de réveil pour l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est malheureux de le dire, ce même esprit qui dominait à cette période où Jésus vivait sur la terre, ces leaders mafieux, on en trouve aujourd'hui. C'est malheureux de le dire. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est la repentance et la foi en Jésus. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous n'entrions pas dans des critiques, mais que nous jouions notre rôle d'enfants de Dieu pour prier. Nous avons trop souvent minimisé le pouvoir de la prière. Beaucoup de chrétiens subissent ces leaders qui ne sont plus des bergers de Jésus. Jésus n'est plus leur souverain berger. Ils se sont trouvés d'autres souverains bergers. L'Église doit prier. Nous devons prier. Notre prière est efficace. Quand nous prions, Dieu agit. Et nous prions que Dieu fasse un nettoyage au niveau de son peuple. Que les cœurs reviennent à lui. Quand je dis nettoyage, c'est dans le sens où la vérité, chacun est confronté avec la vérité de la parole et chacun revient à la parole. Jésus n'avait pas peur de ses comploteurs. Et nous, aujourd'hui, nous ne devons pas avoir peur de ceux qui sont des leaders, mais des leaders plus pour dominer que pour prendre soin. Nous ne devons pas avoir peur. Il y a des chrétiens qui sont captifs de la peur. Certains leaders religieux les maintiennent dans la peur. Ça ne doit pas être ton histoire. Tu dois avoir peur, plus peur de Jésus que de quiconque. Alors, reviens à Dieu. Reviens à Jésus. Nous voulons terminer. Et je voudrais que nous puissions prier. Tu as entendu la parole de Dieu. Dieu a eu un message pour toi. Si tu as entendu le message de Dieu pour toi, alors humilie-toi dans la prière. Nous allons nous humilier personnellement. Et ensuite, nous allons nous humilier pour l'Église de Jésus. Seigneur, nous venons à toi au nom de Jésus. Cette situation est difficile, elle est dure. Et notre foi est éprouvée. Nos convictions sont éprouvées. Notre intimité avec toi est éprouvée. Nous sommes passés comme au feu. Mais nous pouvons nous réjouir parce que si tu nous passes par le feu, c'est pour que nous sortions épurés. Je veux prier pour chaque chrétien. Pour chaque personne qui a un jour confié sa vie à Jésus, je veux prier pour chaque personne. Je veux prier pour une assistance particulière du Saint-Esprit. Une assistance particulière du Saint-Esprit. Pour que Jésus soit révélé au cœur. Pour qu'en ce moment, chacun de nous ait plus conscience de la grandeur de ce Jésus. Et plus conscience de la seigneurie, de la majesté de ce Jésus, que chacun ait plus conscience de sa petitesse, de sa faiblesse, pour que nous courions entre les mains de ce Seigneur et de ce Sauveur. Dieu est vivant et il règne, il est sur son trône et il règne. Il règne, il prend soin des siens. Il prend soin de toi.
Ne tremble pas. N'aie pas peur. L'Éternel se lève pour toi. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel est victorieux pour toi. Seigneur, donne-nous, apprends-nous à traverser cette crise en prenant soin des plus faibles que tu nous as confiés. À tous les niveaux, donne-nous de prendre soin de ceux-là. Donne-nous d'installer ta présence dans nos maisons. Donne-nous, Seigneur, de trouver du temps pour aller en profondeur avec toi, avec ta parole. Car nous avons plus de temps que nous en avions avant. Nous avons plus de temps aujourd'hui. Et nous voulons que tu te révèles à nos cœurs. Soutiens les plus faibles, ceux qui ont quelques mois de conversion, quelques années de conversion, pour qui cette épreuve est dure. Soutiens leur foi, affermis leur foi. Fais qu'ils ne défaillent point. Je veux te prier pour ton Église. Je veux prier afin que dans ta grâce, tu te révèles à tous, tu te révèles à tous. Et que tu fasses grâce à chacun pour s'humilier et se repentir. Je veux être le premier à le faire. M'humilier devant toi. Parce que je n'ai pas su être celui que tu voulais que je sois. Accorde-moi ta force, accorde-moi ta grâce. Réveille mon esprit sur ta parole. Donne-moi de continuer de persévérer dans ton service, même en ces temps difficiles, comme Jésus a continué à persévérer dans ton service. Seigneur, purifie l'Église, purifie ton Église, purifie les enseignements dans les églises. Révèle-toi au cœur, révèle-toi au leader. Seigneur, réveille ton Église et fais qu'elle puisse passer à une autre étape avec toi. Une étape de gloire, une étape où tu te manifestes, où ta présence est palpable. Quand tes enfants sont rassemblés, une étape où ta gloire est remarquable. Le rassemblement de tes enfants. Qu'en cette période de confinement, Seigneur, tu prennes soin de tes brebis, tu prennes soin de garder chacun, de penser chacun et d'aider chacun dans tous ces défis. Je bénis ton nom pour ta parole qui est si merveilleuse et si précieuse. Donne-nous encore plus de sagesse pour la saisir, la comprendre et donne-nous plus de force pour la mettre en pratique. Je prie pour tous ceux qui écoutent cet enseignement, afin qu'ils reçoivent de toi une grâce particulière, la grâce de ta présence, la grâce de ton assistance, la grâce de ta provision. Merci de nous avoir soutenus jusqu'à ce moment. Et merci de nous donner d'entrer dans cette semaine avec ton esprit, de nous donner d'être béni durant toute cette semaine. Fais-nous du bien par ta présence au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Jésus est toujours au contrôle. Il règne toujours. C'était la première journée. Dieu a encore d'autres grâces pour nous. Nous nous retrouvons demain à 7h pour un temps de prière matinale, de méditation de la parole, de lecture de la parole, d'échange. Et nous nous retrouverons à 21h pour un temps d'exhortation comme celui-ci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Que les ténèbres se dissipent autour de toi. Que la gloire de Christ soit celle qui t'accompagne. Que Dieu te bénisse.